Bienvenue au salon de la IFI et du Home Cinéma, un salon dédié entièrement à l'intégration. Un salon qui, cette année particulièrement, a été extrêmement fédérateur puisque toutes les grandes marques du high-end, c'est-à-dire du haut de gamme, de l'audio et de la vidéo, sont présentes sans aucune exception. Macintosh, c'est une des marques mythiques de la haute fidélité. Ça remonte à il y a 60 ans. Et il y a 60 ans, on avait des appareils qui sont, par exemple, de ce type. Pour arriver aujourd'hui à des séries, on va dire, beaucoup plus d'actualité. Et on est là dans la symbolique du haut de gamme de l'audio-vidéo. Ce sont des appareils qui font rêver, qui m'ont fait rêver déjà voici 10 ou 15 ans. Et là, je les retrouve et je crois que je vais creuser un peu. La haute fidélité, c'est le son et l'image. Donc effectivement, là, vous avez sur le stand Yamaha. Yamaha, qui est un fabricant japonais très ancien et surtout qui est avant tout, il ne faut pas l'oublier, un fabricant d'instruments de musique. Donc ces gens-là sont particulièrement bien fondés de faire du matériel haute fidélité parce qu'avant tout, les Yamaha, c'est les pianos et c'est tous les instruments de musique. Donc le home cinéma qui rentre dans le monde de la haute fidélité avec effectivement ce nouveau type d'écran extrêmement fin. C'est une marque qui est identifiée comme une marque de haut de gamme, mais ça commence avec des petits prix. Souvent, les gens s'imaginent que le haut de gamme, c'est forcément cher. Ce n'est pas exact. Le haut de gamme est une question plutôt d'esprit et de conception. On peut faire du haut de gamme à des prix raisonnables. C'est bien d'avoir un système haute fidélité de haute qualité. Ce système haute fidélité de qualité va être installé chez vous dans une pièce. Et de temps en temps, la pièce dans laquelle on va utiliser la chaîne IFI a des défauts. Et ces défauts vont altérer la qualité du résultat final. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'intéresse de très près au traitement acoustique. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est effectivement des panneaux qui, selon les pièges à son qu'il faut organiser dans une pièce, on peut avoir différents matériaux qui sont soit réfléchissants, soit absorbants pour arriver à une qualité acoustique, on va dire, parfaite. Chez Elipson, aujourd'hui, l'avenir est là aussi, ce qu'on appelle un music center, c'est-à-dire qu'avec cet appareil-là, vous pouvez capter la musique sur Internet et la redistribuer sur votre chaîne IFI dans les meilleures conditions possibles, parce qu'aujourd'hui, on en est effectivement à l'époque de la dématérialisation de l'image et du son, c'est-à-dire que fini le CD, fini le DVD, dans quelques années, ça aura disparu des rayons des magasins. Et il nous faut des appareils comme celui-ci pour streamer la musique et la diffuser sur une chaîne haute fidélité. On peut voir ici des systèmes dans lesquels les haut-parleurs sont intégrés directement dans les cloisons. La seule chose apparente dans chaque pièce peut être un de ces petits panneaux de commande, de ces displays qui permet pièce par pièce de sélectionner le son et l'image. Effectivement, ça va de la télévision jusqu'à l'iPod. L'avenir, c'est ça et il est né. Il est en train de naître ici. On ne voit plus rien. Vous avez un système IFI, un système Home Cinéma et vous avez entre les mains une seule interface, c'est votre iPad. Point.